Good morning, Alei, den les sutres aujourd'hui, le lonishmat, mori verbi shmuel, ben shlomo zalman, nissim ben ahuda, sarah bat chana rachel, shlomo ben esther, isha bat chaim nechemia, ainsi que l'irfuat abra, mori ben reout betor, shachol israël. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Zvachim, perek dalet mishna alef. Bet shamay omrim, kol anitanin al misbeach achitson, shim netanan be matana achat, kiper. ובחטאת שתי מתנות. ובית הלל אומרים, אף חטאת שנתנה מתנה אחת, כיפר. לפיכך, אם נתן את הראשונה כתקנה, ואת השנייה חוץ לזמנה, כיפר. נתן את הראשונה חוץ לזמנה, ואת השנייה חוץ למקומה, פיגול, וחייבין עליו כרת. Deux sujets dans la Mishnah, dans cette Mishnah. La première partie de la Mishnah, ça va être un sujet relativement annexe pour pouvoir ensuite revenir sur les halakhot du Pigoul en utilisant les notions qui ont été évoquées dans la première partie de la Mishnah. D'accord ? Donc ça fait deux thèmes. Pour le moment, première partie de la Mishnah, c'est assez général à tous les sacrifices. Très brièvement. Le Mishkan, vous avez sûrement déjà vu une photo du Mishkan, à quoi ça ressemble, du Beth Amikdash, à quoi ça ressemblait. Il y avait le Kodesh HaKodeshim, le Echal, ce qu'on appelle le Echal, l'enceinte du où là-bas on rentre, c'est-à-dire le Kodesh HaKodeshim, il était composé, le Beth Amikdash, la cour où on faisait la Avoda, était composé de trois parties. Il y avait ce qu'on appelle le Kodesh HaKodeshim, ce fameux grand binyan où il y en a qui disent que c'est là où se trouve la mosquée d'Omar, c'était là-bas le Kodesh HaKodeshim. Là-bas, il y avait, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron Abrit. Ensuite, c'était séparé par un rideau. Et il y avait ensuite ce qu'on appelle le Hechal. Le Hechal, c'est un peu le hall d'entrée pour ensuite arriver au Kodesh Kodeshim. Derrière le rideau, en fait, il y avait là-bas trois choses. La menorah, le Shulchan et le Misbeach Azahav. La menorah, donc c'est le, je sais pas comment dire, le candélabre. Le Shulchan, la fameuse table où il y avait là-bas les 12 pains que toutes les semaines ont changé. Et il y avait aussi le Misbeach HaZahav, l'autel en or. C'est-à-dire, il s'appelle encore le Misbeach HaKtoret. L'autel de la Ktoret de l'encens. C'était un petit Misbeach, tout petit. Il le faisait une largeur de 1 amas sur 1 amas, une coudée sur une coudée, équivalent 60 cm sur 60 cm, une hauteur de 1,5 mètre, 1 amas et demi. D'accord ? Ça, c'était à l'intérieur du Echal. À l'extérieur du Echal, on était dans la cour du Misbeach. Dans la cour du Beth Amikdash. Et il y avait là-bas l'autel, le Misbeach, le grand Misbeach, où là-bas il y avait quasiment tous les korbanot. C'était un très gros Misbeach. Ça faisait 32 amas sur 32 amas, 16 mètres sur 16 mètres. Il y avait une grande rampe de 32 mètres, de 16 mètres en fait, pour monter dessus. C'était très important comme volume. Et là-bas, il y avait tous les korbanot. Ça, c'est très général, histoire de mieux comprendre de quoi va parler la Mishnah Aleph et de quoi va parler la Mishnah Bet. Il faut savoir maintenant, lorsqu'on fait des korbanot, chaque type de korban, il y a une manière spéciale d'asperger son sang sur le Misbeach. On aura l'occasion de le voir beaucoup plus longuement dans le Perek prochain, Perek He, le Perek de Ezo Mekoman Shel Zvachim. Pour le moment, on va juste se contenter de manière très générale à distinguer trois choses. C'est-à-dire deux fois deux choses. Tout d'abord, il y a des korbanot où il faut asperger le sang dans le Echal ou même dans le Kodesh HaKodeshim, comme le korban de Yom Kippour, par Elem Davar Shem Tzibur, des korbanot qui sont quelque part plus solennels. Alors, la Torah elle nous a dit, tu feras rentrer le sang à l'intérieur du Echal ou même du Kodesh HaKodeshim, et tu aspergeras là-bas du sang, 7 fois, ou 8 fois, ou c'est les fameuses, dans l'Avodah de Yom Kippour, par exemple, on fait entrer là-bas le sang dans le Kodesh HaKodeshim, complètement, le Kohen Gadol, c'est la seule fois de l'année où il rentre dans le Kodesh HaKodeshim pour asperger le sang. La fameuse, quand on compte tous ensemble, Achat, Achat Ushtaim, Achat Ushalosh, Achat Ushalba, Achat Achat, Achat Ushalim, d'accord. Là-bas, c'est parce qu'on est en train de compter, en fait, quelque part, le sang, on compte à ce moment-là, on raconte la manière dont on comptait le nombre d'aspersions du sang qu'il faisait à l'intérieur. Donc il y a des sangs qu'on asperge à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim ou du Echal. À la différence de la plupart des autres korbanot,
ou on fait le sang sur l'autel qui se trouve dans la cour. Ok, c'est clair pour le moment, la plupart des korbanot. Maintenant, parmi les korbanot qu'on fait à l'intérieur, qu'on fait dans la cour, dans le misbéach, le misbéach haola qu'on appelle comme ça, le grand misbéach, parmi les korbanot qu'on fait, il y a des fois des korbanot où il suffit de verser du sang sur le socle, d'autres korbanot où il faut verser deux fois du sang, d'autres korbanot où il faut plutôt monter sur la rampe et aller en haut et donner du sang là-bas dans les quatre coins. D'accord ? Ça, c'est l'introduction générale. Le but maintenant de notre Mishnah, de la première partie de la Mishnah, va être de nous dire à partir de quand je m'acquitte de mon devoir d'avoir fait le korban. C'est-à-dire, il est certain que lorsque la Torah me dit de... On va prendre un korban khatat. Celui, il faut donner quatre fois du sang sur les quatre coins du misbéach. Il est certain que Vadaï, que c'est la Torah, m'a dit de donner les quatre coins, donc aux quatre coins, il faut donner aux quatre coins. Mais toutefois, le problème de Nebuchadnezzar est de savoir à partir de quand je considère qu'il a donné suffisamment pour avoir accompli sa mitzvah. Que même si, a posteriori, tu t'arrêtes, tu as quand même accompli ta mitzvah. Vous avez compris la problématique. Dans plein de choses, la Torah nous dit, tu fais la mitzvah de la sorte. Si toutefois, tu as fait un petit minimum, tu t'es quand même acquitté de ton devoir. Ce n'est pas une raison de t'arrêter, mais malgré tout, tu t'es acquitté de ton devoir. Je ne sais pas, le loulav. On va prendre le loulav. Alors, on prend le loulav, pendant qu'on prend le loulav, on le remue, on le balance pendant le halel, quatre fois, et puis après on fait le hoshanot avec. Selon la Torah, dès qu'on l'a pris, on l'a soulevé, on s'est acquitté de la mitzvah. Dès qu'on l'a pris, on l'a soulevé, c'est tout, c'est la mitzvah de la Torah. Alors, dans l'écriture, une manière de faire plus belle. Avec, d'accord? C'est le même principe, la Torah elle te dit, tu le donnes, tu donnes le sang en quatre coins, mais il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, tu t'es déjà acquitté de ton devoir. Jusque-là, on a fait l'introduction générale, et maintenant, la Mishnah donc va nous préciser à partir de quand je considère que je me suis acquitté de mon devoir, on a déjà fait la kapara, c'est-à-dire on a déjà expié la faute où la personne qui apporte le korban s'est déjà acquitté de son devoir d'avoir accompli le korban, même si finalement on ne continue plus. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai enseigne, Kol anitanim al misbeach achitson. Tous les sacrifices dont le sang est apporté sur le misbéach achitson, sur l'autel externe, c'est-à-dire l'autel qui se trouve, le misbéach qui se trouve dans la cour du Beit HaMikdash, le grand autel de... Autel avec un A-U, ouais. Le grand autel de 32, qui faisait 32 sur 32, qui était très haut, de 10 amot. Alors, tout sang dont il faut verser sur le misbéach achitson, s'il a versé même une seule fois le sang sur le misbéach, il s'est déjà acquitté. Ou bechatat, j'te matanot. Et spécialement pour le korban chatat, il faut faire deux matanot, deux dons, c'est-à-dire donner deux fois le sang. Je finis Bet Hillel et j'explique plus précisément tout ce qui est écrit. Ou Bet Hillel omrim, et selon Bet Hillel, afchatat shenetana matana achat kiper, même un korban chatat, pour lequel il a donné une seule fois le sang, il a fait un seul don du sang, il a déjà accompli la kapara. Certes, il y a une belle mitzvah de continuer et de donner du sang dans les quatre coins, mais malgré tout, tu t'es acquitté. D'accord ? Donc je récapitule. Pour tous les korbanot, à l'exception du korban khatat, tous les korbanot qu'on fait sur le misbéach hachitson, même lorsque la Torah me dit de donner deux fois du sang, deux fois deux qui font quatre en fait, shneim shanarba, qu'il faut donner dans un coin, comme ça tu touches les deux arêtes du misbéach d'un côté et les deux arêtes de l'autre côté, donc tu as touché les quatre arêtes du misbéach. Et bien malgré tout, même si tu as versé même une seule fois, une fois, une goutte de sang qui est arrivée sur le misbéach, tu t'es acquitté. Tu as été mechaper. Tu as expié la faute où celui qui a porté le korban s'est acquitté de son devoir. Même si tu as une mise en différence. Il y a une exception à la règle, c'est le korban khatat selon Bet Shammai. Selon Bet Hillel, le korban khatat, même principe. C'est vrai que tu dois monter sur la rampe et partir le déposer. Le Kohen, il trempait le doigt et il déposait comme ça dans les quatre coins du misbéach. C'est vrai que tu as une misère de donner quatre fois. Mais malgré tout, si tu l'as donné même une seule fois, selon Bet Hillel, tu t'es acquitté. D'après Bet Shammai, il faut donner au moins deux coins. D'accord ? Il faut au moins faire deux fois le matan d'âme. Donner le don du sang. Jusque-là, tout va très bien. À partir de maintenant, on va revenir sur la lachot de Pigoul. Et ça, c'est déduit de Psukim, entre parenthèses. Je le dis d'abord très rapidement, pour le Korban Khatat, c'est déduit sur le fait que la Torah l'a dit, pour Bet Shammai, la Torah l'a dit, il y a trois parashiyot
trois paragraphes de la Torah qui évoquent le korban khatat, qui est, dont le sang est versé sur le misbeach ritson, sur l'autel externe. Et là-bas, la Torah l'a dit, tu mettras sur les karnot, tu mettras sur les karnot et tu mettras sur les karnot. Le minimum du pluriel, c'est deux. Donc quand je te dis karnot, les coins, deux. Encore une fois les coins, et encore une fois les coins, donc ça fait, je te dis, six fois de mettre sur les coins. Et alors, de ce fait, je te dis, quatre fois, c'est la mitzvah. Et deux fois, la Torah l'a répété pour te dire, ça, tu es obligé de le faire, moins que ça, tu t'acquittes pas. Et Beit Shammai, il a une autre manière de déduire des psukim, on va pas trop rentrer dedans. Ok. On s'est acquitté, maintenant, on a expliqué maintenant la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah va être maintenant d'expliquer à partir de quel don de sang, quelle aspersion du sang, on invalidera le korban à cause du pigoul. C'est-à-dire, j'explique un peu mieux, on avait appris que je transgresse un korban, je transgresse l'interdit de pigoul, lorsque j'ai égorgé un sacrifice, où j'ai versé le sang du sacrifice, avec l'intention de le consommer à une durée de temps supérieure à ce que la Torah m'a limité. Normalement, je dois finir de le manger dans la journée et au lendemain, et durant toute la nuit, et j'ai eu l'intention de le manger le lendemain. J'ai en cela transgressé l'interdit de pigoul. D'accord ? Le korban, il est répugné. Il y a en cela un interdit de korban karet. Pour rappel, on rend cette intention invalide le korban lorsque j'ai cette intention dans l'une des quatre avodot. Shrita, Kabbalah, Olacha, Azrika. Au moment où j'égorge le sang, au moment où je réceptionne le sang, au moment où j'apporte le sang sur l'autel, et au moment où je verse le sang sur l'autel. La Mishnah maintenant va m'enseigner en me disant, sache que depuis le moment où tu verses ou tu asperges le sang sur l'autel, ça ne concerne que la première fois ou la première goutte de sang qui va toucher l'autel. Parce que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir acquitter le korban. Par contre, s'il y a une goutte de sang qui est arrivée, comme la halakha le requiert, sur le misbeach. Donc le korban, il s'est acquitté. Même si, en théorie, tu dois continuer à donner plus de sang, tu dois donner au moins 4 fois du sang, ou 2 fois du sang, eh bien, sache que le korban, il a pas été invalidé, malgré tout. C'est-à-dire, sache que l'intention de manger le korban ensuite ne va pas invalider le korban, étant donné que depuis la première goutte de sang qui arrivait sur l'autel, tu t'es acquitté du devoir. C'est clair ? On fait ça dans les mots. Les ficar, de ce fait, puisque pour la plupart des korbanotes, ou même tous les korbanotes d'après Beit Hillel, une goutte de sang sur l'autel, au bon endroit, acquitte, fait l'expiation. Im natan et harishona ketikna. S'il a donné le premier don du sang, ketikna, comme la halacha le requiert, et ensuite, vetashnia chutz lizmana. Et après, lorsqu'il est venu donner le deuxième don de sang, le deuxième matan damim, il est venu le donner avec une intention qui va invalider le korban. Une fois qu'il a, par exemple, on va prendre un exemple concret, le khatat, il est monté là-haut, il l'a monté sur la rampe, il a donné le premier don sur le premier coin, d'après Beit Hillel, sur le premier coin, khatat, kasher, la méhadrine, il va le manger dans la journée et jusqu'à la nuit qui suit uniquement. Il arrive pour donner le deuxième don de sang, et là il se dit, bon allez, finalement je crois que je vais le manger encore une journée de plus. Et il donne le sang avec intention de le faire chutz lizmano. La Mishnah m'enseigne. Im natanet harishona ketikna, puisqu'il a donné le premier don de sang, comme la halacha le requiert, vetashnia chutz lizmana, et le deuxième don de sang, il a fait avec intention de dépasser les limites de temps. Malgré tout, qui perd? Il a expié la faute pour laquelle il a été apporté. Et le korban n'a pas été pigoul. Par contre, natanet harishona chutz lizmana, s'il a donné le premier don de sang, chutz lizmana, avec intention de le faire, de manger le korban au-delà des limites de temps permises, et ensuite, une fois qu'il est venu faire le deuxième don de sang, vetashnia chutz limkoma, et le deuxième don de sang, il a eu l'intention de le faire au-delà des limites d'espace permises, de le manger en dehors du Rosh Harim. En théorie, une situation pareille est censée sauver l'interdit du pigoul, comme ce qu'on apprenait. Ouais. D'accord ? On avait déjà appris plusieurs fois qu'il faut nécessairement l'intention qui est invalide, Mishum Pigoul, à cause de Pigoul, c'est uniquement lorsque l'intention elle est dans l'une des quatre avodot, ou même dans les quatre, mais en tout cas qu'il n'y ait pas d'autres intentions qui viennent se mêler. Mais s'il y a toutefois une intention, si toutefois il va y avoir une mauvaise intention, mais qui n'est plus le Chutz Lizmano, il va être Chutz Limkomo, au-delà des limites d'espace permises par exemple, alors ça va faire que le Korban, puisqu'il a été mal apporté de toute façon,
il n'y aura plus d'interdit de pigoule. C'est ce qu'il a fait ici, en l'occurrence. Il a donné le premier don du khatat en se disant, je le mange, même demain dans la journée, je le mange. Donc, tu as dépassé les limites de ton permis. Et une fois qu'il est venu donner le deuxième don de sang, il a dit, je vais le manger en dehors de Yerushalayim. Alors là, en théorie, il aurait dû sauver le korban. Et bien la Mishnah me dit, non, le korban, il est quand même pigoul, vechayavin alav karet. Le korban, il a été quand même répugné. Il y a eu en cela un interdit de pigoul, étant donné que depuis le premier don de sang, c'était ce don de sang qui était censé acquitter et expier la faute. Et ce sang-là, il a été mal fait. Depuis le moment où tu l'as versé, quelque part, t'as transformé le korban, c'est devenu un interdit de pigoul. Et puisqu'en théorie même, si tu le faisais de manière cachère et que tu t'arrêtais là, le korban il aurait été cachère. Donc le korban il est déjà devenu pigoul. Et l'intention de Chutz Limkomo ensuite qu'il va avoir, ouais, ne va plus sauver l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est encore Hayav Karet. J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite une journée pleine de Sacha Koltou, ça.